Hachem, c'est le seul qui sait la nature profonde de ce qu'il a créé. Et il nous demande, à travers sa Torah, à travers l'attachement au Tzadikim, de réapprendre à nous connaître. Que chacun du âme d'Israël, il doit savoir, il doit se battre pour se rappeler qu'il est un fils du roi des rois, une princesse, un prince, qu'il appartient à la royauté d'Hachem. C'est quoi la royauté d'Hachem? Hachem, il est Kulotov. Hachem, il est tout puissant, mais il est tout miséricordieux. Hachem, il est que Tov, il est que Rahman, que Ahava. Hachem, il est Echad, il est un, il est que amour. Echad, valeur numérique, 13, comme Ahava, l'amour, c'est 13. Et 13, c'est aussi les 13 attributs de miséricorde. Hachem, il est un, il est que amour, il est que miséricorde. Et Akadosh Baruch Hu ne regarde que comme ça.